voici un nouveau numéro d'initiative entièrement consacré à la conférence internationale sur la biodiversité et le changement climatique. Cette conférence internationale qui s'est tenue en Guadeloupe il y a quelques jours fait suite à celle organisée sur l'île de la Réunion en 2008 qui avait permis d'établir un état des lieux de la biodiversité d'outre-mer, sa richesse, ses contraintes et ses potentiels. Cette fois-ci, il s'agissait d'aller plus loin autour des territoires insulaires. Et dès l'ouverture, le président de région a mis l'accent sur des problématiques locales et éminemment d'actualité. Plusieurs projets concrets de coopération régionale portés ou soutenus par la région de Guadeloupe, la réintroduction du lamantin en provenance du Brésil et un projet de lutte contre la prolifération du poisson lion face à l'invasion de nos plages par les sargasses et organiser la collecte, le stockage et la valorisation de ces algues, un accès facilité à des programmes communautaires qui pourraient financer ces actions constituerait un début de réponse à nos préoccupations immédiates. La croissance verte, adoptée il y a 2 semaines à l'Assemblée nationale, est une première évolution majeure pour les Outre-mer. La seconde, c'est le seuil de 30% d'énergie renouvelable pour la production électrique qui vient d'être annulé. Désormais, chaque territoire des Outre-mer fixera son propre seuil selon les caractéristiques de son réseau électrique. Changement climatique et biodiversité. C'est important que nous ayons une conscience aiguë que ces deux enjeux sont indissociables. Je sais bien que si nous laissons la biodiversité et les écosystèmes se dégrader, nous aurons encore moins de chances de réussir l'enjeu climatique. Et ne doutez pas que la France contribuera à mener de front ces deux enjeux. En décembre 2015, la France va accueillir la COP21, la conférence sur le climat, qui réunira à Paris plus de 195 États. 195 États qui n'ont pas encore forcément changé de lunettes, qui regardent ou qui appréhendent cet enjeu universel par le prisme de l'intérêt de leurs États. Alors qu'il va falloir aborder cette conférence avec une vision universelle. Et qu'est-ce que ça signifie très concrètement? Ça veut dire que nous devrons laisser dans les sous-sols du monde 80% de nos réserves d'énergie fossile. Nicolas Hulot se dit très sensible au devenir des îles. Et votre vulnérabilité doit être reconnue et elle doit appeler en retour une solidarité de l'État et de l'Europe. Mais une conférence internationale prend-elle réellement en compte nos problématiques caribéennes? Qu'on parle de transition énergétique, de changement climatique, de rehaussement du niveau de la mer, on voit bien que ça a un impact sur nous. Donc c'est le moment de se rencontrer, de discuter. Je pense que le colloque se terminera quand même par des décisions politiques qui seront vraiment conséquentes. Maurice Anselme est formel. La coopération dans la Caraïbe existe et fonctionne. Dans la Caraïbe, il est sûr qu'avec tous les pays de l'AEC, il y a des échanges qui sont déjà faits, que ce soit sur la partie biologie, sur des parties aménagement, des rencontres à travers des protocoles, par exemple le protocole SPO, espace-espèce spécialement protégé. C'est un réseau qui fonctionne. Le réseau des espaces protégés CAMPAM, celui des espaces marins, celui des forestiers, oui, il y a beaucoup d'échanges. Même constat pour Orlando Smith, le premier ministre des îles Vierges britanniques, qui défend l'idée qu'ensemble, les territoires insulaires sont plus forts. Individually, but collectively we can do it, be more efficient. For example, as I mentioned, we already began to use renewable energy sources which will reduce our carbon footprint. For example, in wind energy, in solar energy, and many of the countries are aiming to be like 80% efficient in that regard. In BVR, we have already started a program and we intend to continue it. Pendant 3 jours, il s'est agi de mettre à plat les multiples problématiques et d'apporter en réponse des dispositifs adaptés. Le fait qu'il y avait des ateliers et des experts pendant 2 jours et demi, trois jours, et après il y a eu tous les décideurs qui sont arrivés ici, parfois de très très loin, et ils ont vu les recommandations de leurs experts, et ils ont décidé
ensemble avec les experts, d'aller à l'action. Donc ça, c'est vraiment unique dans les conférences internationales. Chacun travaillait sur la même feuille de route. Ça, c'est vraiment une chose nouvelle. Je me sens responsable maintenant d'amener ce message d'action ailleurs. Ici, nous étions 200 ou 300, mais la semaine prochaine, en Australie, on sera 5000. À Paris, 20 000. Un document final, nommé le message de Guadeloupe, a été validé à l'issue de cette conférence. Il s'est attaché à poser les bases d'une nouvelle dynamique dans le partenariat avec l'Europe, comme l'a assuré Théo Saramandis. Au moment où nous achevons les travaux de cette conférence, chaque collectivité est en train de formuler ses stratégies et élaborer les propositions de programmes qui seront appuyées par des fonds européens jusqu'en 2020. Pour la préservation des mangroves et des récifs coralliens, il faut de vrais engagements, rappelait Ségolène Royal dans son discours de clôture. La mangrove illustre parfaitement, Victorin Lurel me le rappelait, ce lien écologique vital d'échange terre-mer de cet écosystème qui représente plus de 4000 hectares sur cette île. Même chose pour les récifs coralliens. Et la France est le quatrième pays récifal. C'est pourquoi le gouvernement français s'engage à accélérer dans les outre-mer français la constitution de corridors écologiques afin de mieux identifier les zones qui nécessitent une valorisation et une protection. Dans le même esprit, le recensement des espèces de la liste rouge de l'UICN doit être achevé de manière à répertorier toutes les espèces menacées et à établir sur cette base des plans d'action. Ce bilan final sera porté dans les instances internationales. Il dessine la nouvelle feuille de route pour passer d'une logique de constat à une logique d'action. Les Outre-mer européens ont fait entendre leur voix et ont délivré leur message, celui d'une volonté d'agir pour sauvegarder la biodiversité face au changement climatique. Cette volonté doit s'appuyer sur une gouvernance adaptée, replaçant les acteurs locaux au cœur des décisions. La coopération régionale jouera également un rôle important. Le docteur Henri Joseph a participé à l'atelier sur l'économie. Pour lui, cette conférence est un formidable atout pour notre archipel. Bien sûr que c'est un impact positif énorme sur la Guadeloupe pour une raison très simple. Maintenant, vous allez arrêter n'importe quelle personne dans la rue, vous dites le mot biodiversité, il saura ce que ça veut dire. Il faut savoir comment conserver, comment protéger, comment valoriser cette biodiversité. Une démarche bien engagée par certains porteurs de projets qui ont profité de cette rencontre pour se mettre en avant. La Guadeloupe va aller dans l'excellence en matière de biodiversité. La ministre Ségolène Royal l'a souligné et je suis tout à fait d'accord avec elle. Et c'est là-dessus qu'il faut aller faire des petits projets de très haute valeur ajoutée pour rester dans cette mondialisation de l'économie. Il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de petites et moyennes entreprises qui valorisent la biodiversité. C'est dans cet esprit que Ségolène Royal et Victorin Lurel ont rencontré des porteurs de projets sur la transition énergétique, l'isolation thermique, les chauffe-eau solaires, l'éclairage public ou encore les énergies thermiques marines. Les Outre-mer peuvent être à l'avant-garde de la transition énergétique grâce à toutes les énergies renouvelables. En plus, ça peut permettre de créer des emplois, de faire reculer le chômage. Alors ça veut dire que je pourrais dire ensuite à l'Hexagone, vous voyez, dans les Outre-mer, ils sont allés beaucoup plus vite, ils ont été intelligents, ils sont motivés. Les bâtiments bioclimatiques, qui abritent le siège du parc national à Saint-Claude, ont été primés parmi les 20 meilleures réalisations de la France. L'occasion pour les deux ministres de les inaugurer. C'est un honneur de voir à la fois réinterpréter nos traditions, les savoir-faire traditionnels en matière de construction dans un bâtiment qui, au contraire, est un signe vers l'avenir. Et en ma qualité de président du Parc national de France, justement, j'avais eu l'occasion de solliciter les prédécesseurs pour que nous ne soyons pas, justement, pénalisés sur les restrictions budgétaires. Et là, Madame la ministre nous a annoncé qu'elle entendait donner une priorité aux parcs nationaux français, qu'ils soient situés dans l'Hexagone ou dans l'Outre-mer, pour faire en sorte que nous revenions à un état normal budgétaire. Ce qui nous donne des perspectives pour encore des créations d'emplois au moment même où nous mettons en application nos différentes chartes. Un budget qui permettra aux parcs de passer à la vitesse supérieure en matière d'accompagnement de projets innovants.
Si les 21 communes de Guadeloupe acceptent d'adhérer à la charte du parc national, à la fois en matière d'écotourisme, à la fois en matière d'éducation à l'environnement, d'accompagnement des agriculteurs, notamment sous l'agriculture biologique, d'accompagnement culturel. Et puis nous avons aussi d'importants projets pour accompagner les communes dans la mise en place de leur politique de développement durable. L'occasion aussi de procéder à l'installation du conseil de gestion d'AGOA, un sanctuaire pour les mammifères marins des Antilles françaises. C'est de créer un véritable corridor écologique qui partirait de la Floride pour arriver jusqu'en Amérique du Sud pour faire en sorte que ces mammifères, qui sont un élément indispensable aux écosystèmes et à la biodiversité marine, que ces mammifères se trouvent protégés. Autre temps fort pour Ségolène Royal, la visite de la centrale géothermique de Bouillante. Le président de région a profité de la présence du Premier ministre des îles Vierges britanniques et du Premier ministre de Curaçao pour rappeler les possibilités de coopération dans ce domaine, en citant le grand projet à la Dominique avec près de 100 MW qui seront exploités avec une technologie française et qui pourront alimenter à la fois la Dominique, la Martinique et la Guadeloupe. C'est une énergie renouvelable qui n'est pas polluante, qui ne dégage pas de gaz à effet de serre et qui permet de monter en puissance sur l'indépendance énergétique de la Guadeloupe. Alors qu'une extension du site Bouillante 3 est programmée, passant de 45 à 50 MW, se pose le problème de l'association des capitaux privés-publics afin de rendre cette production rentable et sans usage. Il faut aussi que cette production soit rentable, c'est-à-dire qu'il faut que je remette à plat les raisons pour lesquelles EDF a quitté cette entreprise, pourquoi est-ce que le prix de rachat de l'énergie n'est pas suffisant pour assurer la rentabilité forte de l'entreprise, quels sont les nouveaux opérateurs industriels de remplacer EDF par des industriels. Aujourd'hui, les jeux sont ouverts puisque il y a l'appel à projet qui a été lancé, mais bien évidemment, je vais regarder tout ça de très très près avec le président de région. La Guadeloupe a tout, les atouts pour accélérer cette transition énergétique, pour monter en puissance sur les énergies renouvelables, sur le traitement des déchets, sur le transport propre et créer des emplois qui sont associés à cette croissance verte pour que d'ici 2020, 50% de notre énergie soit naturelle.